Vanister, ça va bien? Oui, ça va, sauf que je suis arrivé en retard et ça m'a causé vraiment, vraiment du souci. La chance que tu as le micro sur toi, t'inquiète pas, celui que tu as en face, c'est pour chanter. La chance que tu as, c'est qu'en en Papouasie, le vendredi, il y a la fête. Donc, tu vois, vraiment. Voilà. Selon la constitution, oui. Le vendredi, tiens. Le Camerounais a le droit d'être en retard. D'accord. Voilà. Le vendredi. Oui. Le Camerounais a le droit d'être en retard. Voilà. Parce que, bon, c'est comme ça. Alors, la voiture, elle m'a baladé. Vas-y, vas-y. La voiture m'a baladé dans tout Abidjan. Là. Oui. 2 heures de temps pour venir ici. D'accord. C'est une voiture qui est au Cameroun. La voiture qui est au Cameroun. J'ai saisi l'occasion vraiment pour m'excuser parce que je devais être là à 10h30 et j'ai... pour habitude d'être très ponctuel. Si tu n'as pas dit que tu es venu en retard, c'est le papou. Je ne sais pas. Tu veux te mettre dans quoi? Tu veux la guerre? Ne me tente pas. Alors, Vanister, faut que je m'excuse. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Nous, on est sait pas. Le vendredi, c'est bon, c'est ouvert. Alors, est-ce qu'on va faire? On va te laisser avec ta guitare et ton micro. Exprime-toi en musique. Vanister. Oui. Ok, aujourd'hui. Je vais faire quelque chose d'un peu différent de ce que je fais depuis que je suis arrivé à Abidjan. Alors, on va le faire. Le jour de ma mort, au couilleront dans leur maison m'offrir des coffres forts, apporter des vestes, des chaînes et même des montres en or, histoire de dire au monde entier, vanissons les méforts. Ils se foutront de ma gueule devant le commun triste sort. Beaucoup veulent que je meure jeune sans un disque d'or. Pour se moquer de qui? De moi, le fils de Lot. Malgré sa sainteté, ils ont tué le Christ alors. Ce jour-là, dites pas que vous m'aimiez trop ici, tel est le cas. Enterrez-moi dans un micro. Tout comme toi, je sais que la mort est à mon seuil. Si le prochain, c'est moi, pas de prix fort pour un cercueil. N'allez pas dépenser de l'argent au marché, mon colo. Rapprochez-vous des mendiants, donnez leur colo-colo. Et pour le reste, aidez les orphelins avec. Ce geste raccourcira mon chemin avec. Dans la mêlée, vous serez nombreux qui m'avez laissé tomber dans ma maladie. Mais serez les premiers à venir avec des millions et à m'accompagner dans des Ferrari. Laissez tomber les conneries. C'est pas les millions qui vont m'envoyer au paradis. Comme Longuel avait dit, si vous voulez m'aider, faites le temps que je suis en vie. J'ai jamais compris ce phénomène. C'est quand t'es parti que tout le monde t'aime. Mais tant que tu vis, on oublie tes problèmes. On pourrit ton existence, on ignore ta valeur. J'ai jamais compris ce phénomène. C'est quand t'es parti que tout le monde t'aime. Mais tant que tu vis, on oublie tes problèmes. On pourrit ton existence, on ignore ta valeur. Oh, 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 oh. C'est une triste réalité, Anao. Oh yeah, oh yeah, oh ne, oh, oh. C'est une triste réalité. Amosfa Maïke, Bebelile. Gobele bebi eva me bito di te angena mu wesu inuzu meilleur habiti gobele moi ni va me bito di gobele bebi eva me bito di gobele bebi eva me bito di te angena mu wesu inuzu meilleur habiti. La carcasse attire les vautours, c'est quand la mort passe qu'il te rôde autour. T'as rien fait pour moi depuis que je suis petit garçon. Mais si je pars, tu seras le premier à porter des boissons, des cartons de poissons. Que feras-tu des bastons et de ces instants où ta pensée me lançait le meçon? La vie me donne des coups, je tiens le coup, je reste debout. Mais malgré tout, tu fais niveau pour que je reste dans la boue. Je pose un peu de gens, partage pour que j'ai du profit. Mais si je pars, c'est chacun qui me mettra en photo de profil de mon vivant. Aidez-moi donc à voir le succès de Kofi. Quelle ironie, si je pars, je serai connu comme Ronnie, Arafat, Tupac, Jackson, Nelson, Mandela, Sankara et Juan Joya. Ils diront dans l'histoire qu'il était une fois un chanteur, rappeur, slammer venu d'Akonolinga. Il était bon ce gars, il était fort n'est-ce pas? Mais ses hommages et ses éloges là ne m'aideront pas. C'est en ce moment que les gens feront des témoignages.
Ah oui, ils diront que ce garçon était un homme sage, qu'il était arrivé chez Moulokoukou. Il a commencé à chanter sans faire la talakou. Il a mis émotion sur le plateau beaucoup. Si on applaudit, je dirais merci beaucoup. Merci pour les acclamations. Côte d'Ivoire, je t'aime. Je dis, tu es une très belle nation. Avec le Cameroun, c'est la rivalité. Rivalité dans la fraternité. S'il vous plaît, une fois de plus, applaudissez. Applaudissez, le beat est terminé. De venir en retard. Tu es habitué dans quel cadre? Et je suis venu dans, pour une émission de Canal+. Après, j'ai dû prolonger. D'accord. Attends, je t'entends pas bien. Tu me passes, s'il te plaît, aux zones. Microphonez-le. Voilà. Tiens, ça c'est pour quoi? Voilà, merci. Microphonez-le. Voilà. Donc, je suis venu pour l'enregistrement de l'émission Burger Quiz avec Canal+. D'accord. Après, on a tourné pendant 3 jours. D'accord. Et j'ai décidé de prolonger un peu mon séjour. D'accord. Parce que Abidjan, c'est la plaque tournante. Tu connais Abidjan est d'où, vous disiez? Non, tu connais. Ça, et puis ça, il faut le dire. Ouais. Donc, on ne va pas venir en Côte d'Ivoire pour 3 jours et rentrer. Ouais. Alors qu'on a une carrière qu'on construit, une carrière qui est à peine naissante. Donc, il faut bien chercher à se faire connaître, les médias et pourquoi pas des collaborations. Donc, demain, d'ailleurs, je serai en studio avec Tia. D'accord. Voilà. Ah, tu vois, tu seras avec Tia, c'est bien, c'est bien. On a une vidéo, regarde l'écran, tu vois. Voilà, Tanti va nous la mettre. Parce que moi, quand je chante, ça va. Ce qui s'est passé, c'est que après qu'on ait montré le feu à la Serbie, parce que les gars pensaient que ils ont mis le bus. Les gars pensaient alors, c'est trop gagné, quoi. D'accord. On a dit ok, on vous a laissé, parce que chez nous on dit la couche des enfants. C'est le matin. Ils ont couru et puis on les a rattrapés, on les a même dépassés. Bouche des Camerounais, le bus. À la fin. J'ai commencé à traquer les Serbes partout, à la sortie du stade, et puis pendant que je les traquais, et j'ai vu un micro de RFI qui m'était tendu, et puis tu t'es exprimé. J'ai commencé à répondre aux questions, à la chanson, c'était drôle, c'était très risqué, parce que entre faire des rimes en improvisation... C'était plus le cadre en plus. Alors je rappelle que c'était à la récente Coupe du Monde. Oui. Voilà, et c'était bien. Il a été diffusé en exclusivité sur LCI. Mais est-ce que tu as dit ça? Je réponds. Oui. Alors c'était lors de la récente Coupe du Monde. Oui. En exclusivité sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je ne sais pas, m'écoutez, monsieur le Premier ministre. Alors, avant de te laisser partir, projet pour 2023. Oui, je suis en train de préparer un album. D'accord. Un album qui va s'appeler Ici ou là-bas. D'accord. Et après, avant sa sortie, parce qu'on n'a pas encore, mon équipe et moi, déterminé la date de sortie. D'accord. Donc, avant cette dernière, il y a une série de clips vidéo. D'accord. Qui vont sortir en mode single. Donc, c'est. Voilà un peu. D'accord.